Bonjour et bienvenue dans votre émission de littérature, le livre de l'auteur. La seule émission consacrée à la plume gabonaise, mais également africaine. Aujourd'hui, nous embrassons la branche des critiques littéraires avec le professeur Emery Hervé Simeyi, professeur des lettres à l'université Omar Bongo, spécialiste de littérature gabonaise, qui vient de mettre sur le marché il y a quelques semaines seulement sa dernière parution intitulée « La vie littéraire au Gabon ». Publié aux éditions Symphonia, un essai critique. Dans cet ouvrage, l'auteur revient sur la légitimation de l'œuvre littéraire et ses enjeux, les instances de médiation, mais il aborde également la question de la littérature d'un pays, quoique certains critiques littéraires affirment que la littérature gabonaise n'existe pas. Avec lui, nous en parlerons avec ample de détails, mais avant, qui est Emery Hervé Simeyi? La réponse, maintenant. Le professeur Emery Hervé Simeyi est un critique littéraire spécialiste de littérature gabonaise. Né après les indépendances à Lambaréné dans le Moyen Ogoué, nous sommes dans la troisième province du Gabon. Le professeur Emery Hervé Simeyi a grandi et vécu dans une ambiance littéraire car issu d'un père amoureux des lettres. Enseignant des lettres classiques, initié dans des lycées et collèges protestants jusqu'en 1969. Le professeur Emery Hervé Simeyi sera donc au fil des années influencé par la passion de son géniteur. Bercé pendant de nombreuses années par les textes de Victor Hugo et de Chateaubriand, l'homme optera pour un parcours littéraire qu'il effectua à l'université Omar Bongo avant de s'envoler pour le Canada, à l'université Laval où il fit sa thèse. De retour dans son pays natal avec le grade de maître de conférence, auteur d'un essai critique publié chez L'Harmattan en 2016 intitulé « Sociocritique du roman gabonais, de la méthode à l'analyse du texte ». Le professeur Emery Hervé Simeyi a su se faire un nom en devenant le chantre des richesses de la vie littéraire au Gabon. De retour sur notre plateau, place à la deuxième partie de notre émission intitulée « Le livre de l'auteur ». Et l'œuvre choisie du jour est « La vie littéraire au Gabon ». Ses acteurs institutionnels, ses instances de médiation et de légitimation et ses enjeux. Du critique littéraire, le professeur Emery Hervé Simeyi qui nous a rejoint sur ce plateau. Nous sommes dans le restaurant Foyer Avaro, 6 à l'université Omar Bongo. Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, professeur, d'entrée de jeu, Monsieur Sima, vous êtes critique littéraire, spécialiste de littérature gabonaise. D'abord, qu'est-ce qu'un critique littéraire? Bon, comme nous sommes dans le monde de l'écriture, le critique littéraire, si vous voulez, c'est cet écrivain qui donne un son second à une œuvre première. D'accord. Nous sommes en littérature, notre matière première, c'est généralement les romans, les nouvelles, la poésie, le théâtre, etc. Et l'écrivain qui vient donner un son nouveau à cette matière première, il fait de la critique pour simplifier la compréhension. À présent, nous allons nous intéresser un temps soit peu à l'œuvre elle-même. En parcourant les premières pages de cet ouvrage, j'ai pu constater que vous revenez beaucoup sur la sociocritique, sur deux théories, à savoir la sociocritique du texte, mais également la sociologie de la littérature. Quelle différence existe-t-il entre les deux? Alors, la sociocritique, moi, c'est mon domaine parce que j'ai fait ma thèse sur la sociocritique. Mon premier livre porte la sociocritique. Alors, pour simplifier la compréhension, la sociocritique est une théorie littéraire qui investit le texte. D'accord. Le texte, en fait, c'est l'une des théories héritières du structuralisme parce que les structuralistes s'intéressent à la structure du texte. On ne s'intéresse même pas au titre,
encore moins à l'auteur. D'accord. Donc vous voyez que, je prends une théorie comme la narratologie, quand vous faites de la narratologie, le nom de l'auteur ne vous intéresse pas, le titre de l'œuvre ne vous intéresse pas, vous vous intéressez simplement à l'analyse structurale du texte. D'accord. Mais la sociologie, c'est-à-dire que vous pourrez, en ouvrant une œuvre, regarder, si on prend la narratologie, la question principale c'est qui parle dans le texte, donc le narrateur, le narrateur, le narrateur est un trait diégétique, un trait extra-diégétique, c'est-à-dire il est acteur lui-même dans l'histoire qu'il raconte, ou alors il nous raconte ce qu'il a vu ou entendu, c'est ça. Donc on reste vraiment intra-textuel. Maintenant, la sociologie de la littérature, vous avez déjà le mot sociologie, qui n'est pas de la littérature. On adjoint le mot littérature, la sociologie de la littérature, nous permet de sortir du texte sans le soustraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sociologie de la littérature va s'intéresser maintenant à des questions un peu plus mécaniques. D'accord. Par exemple, au Gabon, est-ce que les programmes scolaires inscrivent véritablement les œuvres gabonaises? La sociocritique pure ne peut pas se poser ces questions. Qu'est-ce qui bloque pour que l'on n'accède pas aux œuvres gabonaises? Bon, dans le livre, j'aborde ces questions. Les réalités de la littérature gabonaise, c'est quoi? C'est que si on vous dit, cette année, il y a telle œuvre au programme, la première difficulté, c'est de trouver l'existence physique de cette œuvre. Si on met, par exemple, La mouche et la glu de Kumban Kogé, où allez-vous l'acheter? Voyez-vous. Ce sont des problèmes qui intéressent la sociologie de la littérature. Maintenant, quand il existe, est-ce que l'œuvre gabonaise, quel que soit le titre, est accessible au commun des élèves? Parce que moi-même qui suis dans les livres, je suis dans les quelques librairies que nous avons, nous n'en avons pas beaucoup, peut-être deux ou trois. Bon, ces livres-là... Ça, c'est pas faux. Ces livres-là, quand vous prenez un classique africain comme, par exemple, Maïmouna d'Abdoulaye Sadji, qui est peut-être à 3000 francs, c'est à la portée d'un élève. Mais le livre gabonais le moins cher, vous le trouverez en moyenne peut-être à 7500, à 8000, à 8000 et au-delà. Voyez-vous. Donc, ce sont ces questions-là. Et d'autres pays ont réglé ces problèmes, par exemple, en faisant en sorte que le livre puisse bénéficier des abattements, que le livre puisse être accessible au plus grand nombre, et cela permettra à la littérature gabonaise de circuler un peu plus que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Entre sociologie de la littérature, sociologie du texte ou des contenus, on se perd un peu, et vous l'admettez vous-même déjà dans votre avant-propos, alors, mais vous dites toutefois qu'il y a des convergences, mais il y a également des interférences, lesquelles ici? Alors, les interférences, il y en a parce que la sociocritique, vous pouvez la trouver être logée dans la sociologie de la littérature, selon certaines écoles, mais en même temps, vous verrez que certaines écoles, par exemple l'école anglo-saxonne, ne tolèrent pas qu'on dise la sociocritique qu'elle fait partie des sociologies de la littérature. Maintenant, les sociologies du contenu, avec Robert Escarpit en France, son positivisme, entre autres, bon, ce sont des sociologies qui s'intéressent au contenu de l'œuvre. Toutefois, sans exclure ce que, en sociocritique, le terme employé par Claude Duchet, par exemple, la société des références. C'est-à-dire qu'on reconnaît que dans l'œuvre, on parle de ce qui existe dans la société réelle. Voyez-vous, ce sont ces interférences-là, mais chacun garde quand même son identité, sa particularité. Monsieur Simin, dans cet ouvrage, vous abordez la question de nationalité littéraire. Très bien. De moi, la littérature d'un pays. Dans le cas du Gabon. Alors, dans le cas du Gabon, peut-on parler de littérature gabonaise aujourd'hui, d'autant plus que certains critiques littéraires, à l'exemple de Alain Mabankou, avaient dit que la littérature gabonaise n'existe pas. Aujourd'hui, qu'en est-il? Bon, rapidement, nous avons eu, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, quand Alain Mabankou sort de son bois pour l'affirmer, bon, Ludovic Obiang et moi et bien d'autres Gabonais ne l'ont pas raté. Bon, si la littérature gabonaise n'existe pas, la littérature congolaise n'existe pas. Alors, ce que je relève dans ce livre, c'est de montrer au départ
que la littérature fait partie des pans culturels d'un pays. Qu'est-ce qui fait la littérature française? C'est parce que cette littérature parle français. Uh-huh. Elle est écrite en français. Oui. La littérature allemande est allemande parce qu'elle s'exprime en allemand. La littérature anglaise est anglaise parce qu'elle s'exprime en anglais. Maintenant, revenons au Gabon. On dit littérature gabonaise ou littérature congolaise. Elle s'exprime dans quelle langue? En français. En français. Ce n'est pas une langue nationale. Dans la constitution de la littérature de la République gabonaise, le français n'est pas une langue nationale. Mm-hmm. Le français est notre langue d'administration, langue officielle. Officielle. Voyez-vous. Alors donc, il y a déjà ce défaut qui est un héritage. On n'y peut rien. Parce que si on ramenait les problèmes au niveau national, nos langues ne s'écrivent pas. Et quand elles peuvent s'écrire, du moins ce que les linguistes gabonais ont pu faire comme effort, ce n'est pas tout le monde qui va accéder à ces langues-là. Ah, vous voyez que nous avons plus d'une quarantaine de parlés au Gabon. Or, le français vient jouer un rôle fédérateur parce que peu importe les origines ethniques de l'écrivain, il écrira dans la langue à laquelle tout le monde a accès, du moins pourvu qu'on soit lettré. Alors, le problème de l'identité littéraire est plus fort que ça, parce qu'en Afrique, on a deux écoles, oui. Du moins deux visions pour identifier la littérature nationale. Il y a une école qui estime que la littérature nationale, et ça vient de Jacques Chevrier en France, l'œuvre est le prolongement du statut juridique de son auteur. Ça veut dire que Okumba Nkogé est gabonais et l'œuvre d'Okumba Nkogé est une œuvre gabonaise. Pour simplifier la compréhension, Adrien Ouanou du Bénin, c'est ce qu'il dit pour ce qui est de la littérature béninoise. Maintenant, nous nous retrouvons avec deux pays, le Sénégal et le Cameroun, qui ont tenté de donner une identité nationale à leur littérature plurielle pour montrer que la littérature camerounaise, par exemple, est camerounaise parce qu'il y a des thématiques particulières, ceci. Ceci a été battu en brèche. Si vous prenez les œuvres Esaboto, Ville cruelle d'Esaboto, qui va devenir Mongo Betty avec tous les textes qu'il a écrits, Trois prétendants et mari, Le vieux nègre et la médaille. Bon, quand vous lisez ces œuvres-là, le fond originaire du Wolentem se retrouve à travers les noms, à travers la culture, à travers. C'est donc. Ça veut dire que c'est transfrontalier. Les thématiques sont transfrontalières. On ne peut pas fixer ces thèmes-là propres au Cameroun alors qu'on retrouvera les mêmes réflexes au Gabon. Au Sénégal, la même chose. Donc vous voyez que les pays colonisés et qui emploient la langue du colonisateur comme langue d'écriture et langue de diffusion de leur littérature sont piégés par rapport à la nationalité de leur littérature. Et pour faciliter les choses, on s'en tient justement à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que l'œuvre littéraire est le prolongement du statut juridique de son auteur. Et c'est avec ça que nous fonctionnons. Voilà qui nous introduit, qui nous invite à parler maintenant des différentes thématiques abordées dans cet ouvrage. Oui. Nous savons qu'elles sont nombreuses, mais trois ont retenu notre attention. Le premier thème est le troisième chapitre, le chapitre 3, pour une analyse sociocritique de la vie littéraire au Gabon et de ses acteurs institutionnels. Alors, parlez-nous un peu de ces acteurs institutionnels. Qui sont-ils? Alors, les acteurs institutionnels, j'ai commencé à les citer quand on parle des acteurs, les acteurs qui instituent la littérature. Alors, vous avez les acteurs institutionnels qui répondent de la légalité, de la loi. Donc, c'est le cas de l'IPN, qui est une branche de l'éducation nationale. Alors, vous avez ce que nous pouvons considérer comme des organisations littéraires telles que l'UDEG, malgré que l'UDEG n'est pas financé comme il faut par l'État. L'État n'est pas financé. J'étais vice-président de l'UDEG. Je suis toujours membre de l'UDEG. Nous ne recevons rien de l'État, en réalité. Je vais lire un passage. Vous dites, dans la nouvelle vision institutionnelle de la littérature gabonaise ne s'institutionnalise plus sur la seule base des écrits produits par des auteurs nationaux à travers différents genres littéraires. D'autres acteurs participent désormais à sa légitimation et son institutionnalisation.
Avant l'arrivée des nouveaux acteurs dans la vie littéraire au Gabon, soulignons que celle-ci a longtemps été dominée par l'absence durant de longues années d'un acteur essentiel, la maison d'édition. Je voulais en venir à ça. Alors, ce que vous venez de lire ici, c'est que pendant des décennies, ce n'est pas propre au Gabon, la littérature a toujours été définie autour de deux pôles, le livre et son auteur. Et vous dites même plus tard que la maison d'édition, une naissance tardive. Une naissance tardive au Gabon. Parce que la première maison d'édition réelle, c'est les éditions Raponda-Walker, je crois que c'est de 87, voyez-vous. Mais bon, il y a Paul Bourri, quand même, après les indépendances, qui a mis en place une maison d'édition basée à Monaco. C'est lui qui a... Sylvie Tsam également. Sylvie Tsam, c'est récent. Oui. Je parle des lendemains des indépendances. Paul Bourri, un Français, qui a édité Paul-Vincent Pouna, qui a édité Henri Walker d'Imine quand il va au Festival des Arts Nègres en 1966, le document qu'il a pu apporter, c'est Paul Bourri, les éditions Paul Bourri qui l'ont édité. Alors je voudrais rapidement bien répondre à votre question, c'est-à-dire que la littérature va sortir de ces deux pôles, le livre et son auteur, pour regarder les autres acteurs environnants. Parce que le livre, tel que mon premier livre ici, s'il n'y a pas l'éditeur, moi je l'ai publié à l'Harmattan à Paris, s'il n'y a pas l'éditeur, ce n'est pas un livre, ça s'appellera un imprimé. Vous voyez que l'éditeur est un acteur institutionnel dans la littérature. Donc vous avez l'éditeur, vous avez les programmes scolaires à travers l'IPN, vous avez l'école elle-même qui est le lieu par excellence où la littérature doit trouver sa place. Voyez-vous. Et vous avez maintenant les instances de légitimation, de médiation. Par exemple, l'UDER, comme je le disais tout à l'heure, les prix littéraires aussi participent de ces regards. Mais on n'en parle pas au Gabon, hein, parlons des prix littéraires. Et même les droits d'auteur. J'en parle dans le livre, justement. C'est-à-dire que nous avons l'UDER, l'Union des écrivains gabonais, qui est une organisation établie. Nous avons, l'UDEG avait un prix littéraire, le prix PDG des lettres, qui était piloté par l'UDEG, mais ça faisait partie un peu de la vie d'un parti politique, de toutes les activités autour du 12 mars. Et il y avait également, il y a encore le prix de BICIG. Ce sont les seuls prix littéraires qui ont leur place dans notre territoire national. D'accord. Alors, nous en venons au deuxième chapitre. Nous allons aller un peu plus vite parce que le temps nous est imparti. Pas le deuxième chapitre, mais le deuxième thème retenu. Et nous sommes à la page 220. Page 220, je me retrouve un peu. Voilà. Page 220, et c'est le chapitre 4, la légitimation de la littérature gabonaise par l'institution universitaire, une sociologie de la critique gabonaise. Quel lien existe-t-il entre l'avènement de l'institution universitaire et la légitimation de la littérature gabonaise ici, M. Simon ? Très bien. Alors, vous êtes une ancienne étudiante de la maison. Vous-même, vous l'avez révélé tout à l'heure que depuis votre parcours primaire jusqu'à la fin secondaire, vous n'avez jamais été en contact d'une œuvre gabonaise. Mais il se trouve que c'est à l'université que l'on vient à parler réellement de la littérature gabonaise. C'est pour cela que ce chapitre reconnaît ce que l'université, partant le département de littératures africaines, a apporté en ce qui concerne la légitimation de la littérature gabonaise. Parce que sur les trois filières que nous avons en master, il y a une filière littérature africaine écrite, une filière littérature orale et une filière littérature gabonaise. Donc vous voyez que la littérature gabonaise s'inscrit dans les mêmes cordes, dans les mêmes volumes horaires, dans les mêmes importances que ces deux autres filières. Mais pourquoi cette distinction? Est-ce une façon pour vous de vouloir de montrer que la littérature gabonaise a sa place et qu'elle se différencie un peu de la littérature africaine? Oui, alors, il le faut. Il faut bien que la littérature gabonaise soit appelée littérature gabonaise d'abord dans notre pays, comme ça se fait dans tous les autres pays. D'accord. Alors, si nous continuons simplement à considérer notre littérature comme une des parties de la littérature africaine, les autres pays
n'en sont plus là. On parle aisément de littérature sénégalaise. Et les auteurs sénégalais préfèrent de loin ce label d'écrivain sénégalais que d'écrivain africain. Voyez-vous. Alors, donc, notre littérature a le droit de se distinguer, de sortir justement de cette grande famille, de cet océan africain. Je veux lire un bout, la création du département de littérature africaine et le vide de la littérature gabonaise comblé. Voilà. Nous sommes à la page 234, le nouveau département de littérature africaine qui voit le jour à l'université de Libreville en 2002 est en réalité l'érection de l'ancienne filière de l'univers de la littérature africaine écrite du département de lettres modernes en département autonome. Depuis sa création, la littérature gabonaise a trouvé là un champ d'expression. Voilà. Alors, c'est la suite de ma réponse de tout à l'heure. C'est-à-dire c'est grâce à l'université, que la littérature gabonaise a fait des émules, parce que chaque année, nous avons des étudiants qui soutiennent, beaucoup deviennent des enseignants de français, et cette passion de la littérature gabonaise est en train d'avancer par nos produits. De l'université. D'accord, nous en venons au troisième thème, et là nous sommes dans le chapitre 5, page 265, que je me retrouve parce que le livre il est assez gros. Page 265. Ok, chapitre 5. L'enseignement de la littérature gabonaise dans le système scolaire du Gabon, études sociocritiques. Je vais aller au troisième paragraphe. Parmi les acteurs institutionnels dont les rôles sont généralement normés et idéologisés, il y a l'institution scolaire. Celle-ci apparaît comme l'institution qui reçoit véritablement l'œuvre littéraire et en la recevant, elle l'impose à un public massif, vous le disiez tantôt, les élèves, et c'est dans le champ scolaire que l'enseignement s'applique. Ce processus qu'elle va donner une valeur à l'œuvre littéraire à partir de son inscription dans le programme scolaire. L'enseignement prend donc sa force et agit comme un pouvoir au sein de l'institution scolaire. Cependant, toutes les littératures ne s'inscrivent pas facilement dans les programmes scolaires. Pourquoi ? Alors, nous avons eu, ceux de ma génération, cette situation réelle. Pourquoi ? Parce que lorsque l'UNESCO fait ses planches, hein, c'est des périodes qu'on choisit. Si on dit, bon, pour l'enseignement de la littérature africaine, on va de telle période à telle période. Par exemple, nous qui étions à l'école au début des années 70, nous sommes au secondaire, dans les années 80, fin des années 70-80. Alors, si on dit qu'on doit inscrire une œuvre gabonaise, une œuvre africaine, sans spécifier les pays ou les auteurs, si on dit, bon, de 53, quand on sort l'étudiant noir Kokumbo, l'étudiant noir Keloba, bon, et qu'on arrive en 70, vous voyez bien que cette période ne permet pas d'avoir sous la main une œuvre gabonaise. Alors, imaginez-vous que le premier roman gabonais est publié en 71. Le deuxième roman gabonais par une femme est publié en 1980. Elonga de Tumetondo Raguire. Voyez-vous. Un vide de 10 ans. Donc, si cette période-là, on veut bien inscrire un roman gabonais, on n'en trouvera pas. Il n'y en a pas. Donc, il y a déjà cette difficulté à inscrire certaines littératures dans les programmes scolaires, si dans ces planches-là, il n'y en a pas. Mais maintenant, nous sommes en 2020. Les romans gabonais, on en compte, je crois, plus d'une centaine aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque encore pour que nos romans, pour ne parler que du genre majeur, soient repris dans des établissements scolaires, soient repris dans les programmes scolaires du Gabon, et ça donnera à notre école sa raison d'être d'école gabonaise. Or, à ce niveau, j'ai l'impression qu'il y a un peu de bricolage. Merci à vous, M. Simeï, d'avoir accepté notre invitation. Oui. On se dit certainement à la prochaine pour un nouveau numéro de notre émission, Le Livre de l'Auteur. Je vous en prie. Quant à vous, chers téléspectateurs, place à présent à la troisième partie de notre émission, l'actualité littéraire de la semaine.
L'actu littéraire de la semaine, c'est Histoire d'Aou de Justine Minta, qui est désormais en version anglaise. Aou Stories, A Noble est le titre de cet ouvrage, traduit du français à l'anglais par Cheryl Thomas aux États-Unis, puis préfacé par la première romancière d'Afrique francophone, Thérèse Kouo-Moukouri. Vous le savez, Histoire d'Aou de Justine Minta raconte l'histoire d'une jeune dame dénommée Aou Dabiran, victime d'une tradition meurtrière. Après la mort de son mari, Obama Fan, celle-ci subira de la part de ses belles-sœurs tortures, menaces, injures, des pratiques légitimées par la coutume. Autre actu littéraire, le Gabon en France, une présence culturelle, est un essai paru en septembre dernier, dirigé par Flavien Nongwe, en partenariat avec d'autres personnalités du pays telles que Giro Satanga. Cet ouvrage met en lumière des aspects importants et méconnus de la présence culturelle du Gabon en France. Il recense les figures historiques gabonaises inscrites par la France dans son patrimoine mémoriel. On n'oublie pas notre auteur du jour, le professeur Emery Hervé Siméhi, qui a mis à la disposition des étudiants et de la communauté universitaire des supports de cours littérature gabonaise, des origines à nos jours, qui permet aux étudiants de comprendre comment notre littérature a pris ses sources, qui sont les premiers écrivains. Et puis, littérature gabonaise, ses instances de légitimation et de médiation, qui sont les autres acteurs en dehors de l'écrivain et de l'œuvre qui participent de la vie littéraire au Gabon. Voilà, c'est la fin de votre émission Le Livre de l'Auteur. On se dit à la semaine prochaine, prochain rendez-vous. Ce sera toujours avec moi, Marina Boissa, et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.